Hello, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais du scratch painting, mais c'est pas du scratch painting comme que j'ai à l'habitude. Écoutez, les toiles que j'ai, c'est plus, comment je pourrais dire, du traçage. C'est vraiment là d'aller faire comme le contour, tandis que ça ici, le contour est déjà fait, c'est du coloriage dans le fond. Ça va être vraiment d'aller colorier. Alors, je vous montre là, à l'arrière ce qu'il y a là. Vous pouvez voir là, le dessin ici, là, une fois colorié, là, mais au départ, exemple, la carte, elle va être comme ça. Et puis moi, là, dans les lignes, je vais aller colorier. Et puis, ça va me donner, tu sais, un fini là, plus comme ça ici. Donc, c'est vraiment là, c'est différent parce que c'est ça. Ce que j'avais moi comme carte de scratch painting, c'était vraiment là, des petits détails fins. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de remplissage, exemple, si on veut. C'était vraiment plus de faire du traçage. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup ce principe des cartes tropicales. J'ai malheureusement pas de lien à vous donner où est-ce que ça a été pris parce que c'est un cadeau. J'avais reçu ça à mon anniversaire de la part de Joanne. Et puis, c'est ça, j'avais mis ça de côté, là. Et puis, enfin, je le sors, là. J'ai envie de faire du coloriage, là, avec vous. Donc, là, je vais prendre tout simplement la première. Bon, alors ils me disent comment faire apparaître les tableaux. Il suffit de gratter l'encre verte pour découvrir de superbes dessins aux couleurs tropicales. Pour que le dessin apparaisse en couleur, grattez avec un bâtonnet toute la zone à l'intérieur des traits. Vous pouvez aussi dessiner des motifs et dans les zones vertes de la carte avec le bâtonnet. Donc, exemple, la carte ici, là, lorsqu'elle est toute, toute, toute coloriée, elle ressemble à ça. Mais moi, je ne veux pas toute la colorier, là. Je vais vraiment y aller là, seulement là, de tracer qu'est-ce qu'il y a là. Tu sais, le contour et tout, là, je ne mets pas ça tout à découvert, façon de parler, là. Donc, je vais prendre tout simplement la première. Donc, la première carte étant un flamant rose. Donc, ça va être ça ici là, que je vais faire avec vous. Donc là, on me fournit avec le kit là, un petit bâton en bois. Je ne prendrai pas celui-là. Moi, je vais prendre des outils que moi, j'ai déjà ici à la maison, que j'avais là déjà acheté il y a un petit moment sur Amazon. Donc, j'ai un beau petit pinceau, là, mon petit balai. Tous ceux qui ont... ce petit outil-là ici, vous pouvez vous en servir. Le pinceau est encore plus raide que le mien. Même, je dirais qu'avec celui-là, ça va aller mieux. Donc, pour enlever là, toutes là, les petites cochonneries là, quand vous grattez. Donc, ça va super bien. J'ai un petit bâton en bois. J'ai ça ici. Donc, justement, là, avec les bouts plus larges, je pourrais aller faire des plus grandes zones. J'ai ça ici, là, quand même assez pointu et puis qui est plein, donc ça va super bien pour tracer aussi. Et puis il y a un autre petit bout encore plus pointu pour des petits détails. C'est vraiment des outils là, que j'avais déjà achetés il y a un petit moment là. Donc là, je vous cale sur mes mains pour voir ce que je fais. Oups! Là, moi, je dois partager ma place avec Cachou. Cachou qui est juste ici à côté là. Si vous le voyez. Et c'est ça. J'ai décidé qu'il faisait dodo sur mes affaires. Bon, donc, faut que je partage mon bureau, dans le fond. Je vais quand même essayer de me mettre sur du plat parce qu'elle est là-dessus ici, c'est comme du cuir. Et puis, elle est grattée là-dessus, ça me tente pas trop. Donc, là, mon chat, là, il va falloir que tu te tasses. Je vais commencer par enlever mon livre. Oui, t'es couché sur mon livre, mon bébé. Oui. Oh, c'est pas drôle, hein? Il faut s'étirer. Moi, j'amène ma caméra ici. Ok, tu peux te recoucher, bébé. C'est beau. Il faut partager l'espace. Alors là, vous voyez très bien ce que je fais. Parfait, mais oui, là, avec la lumière, là, ça me semble vraiment bien comme ça. Bon. Par où je commence? Je vais commencer tout simplement par en haut en m'en allant vers en bas parce que je vais souvent m'accoter ici d'en bas, malgré que je pourrais faire l'inverse. Mais j'ai des petits détails ici que je voulais aller faire en premier. Bon, je vais prendre là. Donc là, il faut que je gratte à l'intérieur des lignes. Moi qui ose pas trop
On dirait qu'il manque comme d'impression ici, là. C'est comme moi qu'il faut qu'il y ait. Alors, je devine à peu près où va la ligne. Bon, je vais sortir mon petit pinceau déjà, là. Je commence à avoir des petites cochonneries un peu partout. Donc, c'est le fun, ça se gratte vraiment très, très bien. Puis même que... Non! Je vais prendre mon pinceau, ça va encore mieux. Et puis, quand il en reste, ben, c'est que c'est encore collé. Pas très très bien là. C'est très délicat, puis c'est ça, on dirait là, que dans ce coin-là, là, même ici, là, je le vois le trait, mais c'est ça, il manque comme un peu là, d'impression. Donc, c'est pas grave, l'important, ça va être vraiment là, le bas du dessin qu'il faut que je me concentre dessus. Là, je vais prendre une pointe plus large, ce petit outil-là ici, et puis je vais aller travailler là, autour. Donc, ici, j'ai une superbe feuille. Oh là là, hein? Écoutez, ça m'en fait à enlever. Bon, là, il faut que je fasse attention parce que ça gratte trop. Et puis, je graffine l'image. Ça, ouais, ça gratte beaucoup, ça. C'est assez délicat aussi. Je vais essayer de voir avec un petit bâton en bois. Ok, c'est long par exemple parce que ça fait juste des petits traits, mais en même temps, ça va quand même bien. Bon, je vais essayer quelques grandes zones avec ça pour tout de suite. Je vais voir ce que ça fait parce que là, mon autre petit outil en métal, là, ça a tendance comme à graffiner si on veut. Puis là, moi, c'est ça. Je veux pas tout rayer là, le dessin. Donc, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup le principe. C'est vraiment du coloriage. Mais comme du scratch painting, là. Mais c'est ça. Du scratch coloriage. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Mais c'est ça. C'est différent. Toutes les autres que j'avais eues, exemple, ça aurait été d'aller tracer. Exemple, le dessin est tout imprimé en doré. Mais là, il faut tout aller tracer les lignes dorées pour voir apparaître le dessin en couleur. C'est comme ce principe-là que j'ai avec. Toutes les autres cartes que j'ai. Donc, celui-là, qui est vraiment très différent, qui est un coloriage, là, c'est super le fun. J'aime vraiment ça. Là, le petit bâton qui m'est fourni avec, je pense qu'il y a comme un autre embout. Ouais, un embout plus large. Je vais l'essayer voir si ça va colorier une plus grande zone. On va faire le test. Je verrai bien parce que le côté est comme plat ici dans le fond. Fait que là, je vais essayer avec ce côté-là, voir qu'est-ce que ça dit. Oh, wow! Ça en enlève quand même large. Ok. Oh, là, on est en business. Là, dans le fond, le coin ici, il faut comme pas mal tout que je l'enlève, quasiment. Les petits bruits de grattage. Je pense que ça énerve Cachou.
Bon, je vais avoir une belle job de balayeuse à faire après ça aussi, hein? On s'entend. Mais ça se gratte très bien. C'est pas collé énormément. Donc ça, je veux dire, on n'a pas besoin d'appuyer fort, on a juste besoin de glisser et puis l'encre noire s'enlève. Sérieux, c'est vraiment là, ils vont très 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 bien. Je les aime beaucoup, ces petites cartes-là. Je vais avoir du plaisir à faire les autres que j'ai dans le paquet aussi, là. Je fais juste glisser à peine là, le petit bout de bois là. Regardez-moi ça, comment ça va bien. Waouh! Là, dans ce coin-ci, j'en ai quand même beaucoup à faire. Donc, ça me sert pas à grand-chose de respecter les lignes. C'est comme tout à gratter. Ici, là. Pour me rendre jusque dans le flamant rose. C'est le fun parce que c'est vraiment simple. Puis j'aime ça de temps en temps. C'est sûr, pas avoir quelque chose qui me prend 3 heures de temps à faire. Avoir une petite activité, exemple, qui prend juste un certain un petit temps, c'est tout. Hey, ça fait de la cochonnerie, c'est fou. Ouais, ça, je vais faire attention pour pas que Cachou y aille dans ça, là, Luna, là. Ouais, j'aime vraiment ça. Je vais avoir vraiment du plaisir à faire les autres. C'est super le fun. C'est tellement différent, là. Là, il faut faire full attention. Ça, je peux gratter des grandes zones. Ouais, j'aime vraiment le principe. Ça prend pas 4 heures à faire. Là. Faut pas que tu fasses full attention avec tes ongles pour pas accrocher. C'est ça. Les autres, le pire, là, je n'avais pas fait tant que ça parce que bon, c'est ça. Il y avait comme plusieurs inconvénients. C'était tellement délicat. J'avais comme mis ça de côté un peu. Mais j'haïs pas ça. Ce principe-là, comme ça, là, j'aime vraiment beaucoup. Soit dit en passant, hein, il m'en reste quelques-uns, des petits outils comme ça, là, le petit pinceau là, dans ma boutique. Et puis après, je pense que c'est ça, là, j'en recommanderai plus. J'en avais recommandé. Là. Et puis je les avais mis comme en précommande, si on veut. Mais là, c'est ça, là, je pense que ça, là, j'en commanderai plus pour le moment, à moins d'avoir beaucoup de demandes. Là. C'était pas. C'est ça. J'en ai quand même passé quelques-uns, là, donc c'est ça. Je pense qu'il m'en reste 4 de disponibles. Si ça vous intéresse, là, allez vous le procurer là, avant qu'il n'y en ait plus parce que c'est ça. Je risque probablement là, de. Pas de l'éliminer. Peut-être que plus tard, j'en recommanderai. Mais c'est ça. Pour le moment, là, j'ai plein d'autres choses là, à vous faire découvrir et tout. Hey, j'ai plein de cover minder aussi, là. Des super de beaux. Et puis, écoutez, les aimants, là, ça vaut la peine, là. J'ai rarement eu des cover minder avec des aimants aussi fortes, là. J'ai rarement vu ça, là. J'ai vraiment, là, le top du top, là, dans la qualité, pour les aimants, là. Et puis, c'est ça. Je suis pas toute seule qui le dit, là. Vous le verrez dans les commentaires et les évaluations, là. Donc, si ça vous intéresse, des fois, là, moi, je sais que j'en avais déjà acheté ailleurs et puis j'avais été bien déçue.
Les aimants là, avaient de la misère à tenir la pellicule blanche, exemple. Ça forçait tellement. Là. Écoutez les miennes. Là. Oh là là! Donc, c'est pour ça aussi là, que je les ai pris, ceux-là. C'est aussi, là, ça fait des belles aimants sur le frigidaire. Hein. C'est pas juste des coverminder, façon de parler. Là. Si vous voulez, il y en a un que vous flashez dessus. Là. C'est ça. Ça peut être pour mettre sur le réfrigérateur. Là. Moi, je m'en suis gardé certains aussi. Des modèles que j'ai. J'en ai mis sur mon réfrigérateur. Je les trouvais tout simplement tellement beaux. Hey, c'est le fun. Je peux faire des grandes zones comme ça. C'est comme ça ici, là, c'est tout à colorier. Ça, c'est fun. Ça, c'est l'autre feuille aussi. C'est ça, dans ce coin-là, là, c'est comme tout pogné ensemble, le feuillage. Fait que c'est comme tout à gratter. Fait que ça va vite, là, une grande zone comme ça, là. Wow! Hey, ici, c'est le fun. Mais c'est ça, comme je vous dis, ça fait gros de la petite cochonnerie aussi. Hein, ça va me faire une petite job de balayeuse. Je vois, je suis pas trop usé mon petit pic là. J'ai quand même 9 autres cartes à gratter qui me servent. Hein, il va tellement bien. Le petit bruit, je pense que ça agace Cachou. Fait plusieurs fois qu'il se lève la tête là, puis qu'il regarde dans ma direction. On va dire, qu'est-ce qu'il a fait là? Quoi ce bruit-là là? Ça va bien. Wow! Si ça va vite aussi à faire le dessin. Moi, c'est surtout ça aussi qui m'épate un peu, là. La rapidité que je peux colorier ça, que je peux faire ça, c'est le fun. J'aime ça. C'est pas trop compliqué non plus. On n'a pas besoin de trop se casser la tête à s'appliquer et tout, là. Oh là là, c'est le fun! Alors là, je suis pressée de vous montrer le résultat. Alors, on continue en accéléré. Terminé.
Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Je termine ça avec vous. J'ai fait ça, là. Écoutez, ça s'est fait comme un charme. J'adore. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et sérieusement, là, je vais vraiment avoir du plaisir à faire les 9 autres. Là, je commence à pogner la twist pas mal. C'est sûr, là, au début, hey, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça et tout. Là, il y a un petit peu de jaune. Le fond est jaune dans le fond. Mais là, ici, dans ce coin-là, il manquait de la peinture. Fait que c'était un peu essai-erreur à aller essayer de trouver les petites lignes, là. C'est ça, il manquait comme de guide, si on veut. Mais écoutez, ça fait vraiment. Ça fait très, très, très joli. Je suis vraiment très contente de ce beau cadeau d'anniversaire. Ça fait longtemps, hein, parce que ma fête, c'est le 1er septembre. Fait que ça fait un bout là, que j'ai ça là, ici, là, à la maison. Là. Puis là, je me suis dit, tiens, 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 pourquoi pas, là? Let's go, je sors ça. Je veux vraiment faire plein de choses différentes et tout, là, dans ce temps des fêtes, là. Je vous l'ai dit, hein, je vous lâche pas, là, jusqu'au 11 de janvier, là, je suis avec vous à tous les jours. Ensuite, après ça, là, on revient plus à la normale, là, une vidéo aux 2 jours, là. Mais c'est ça, je vous accompagne, là, dans vos soirées d'épée, lorsque vous allez faire vos coloriages et tout. Petit spécial du temps des fêtes. Là, je me suis dit, quoi de mieux que de faire plein de choses différentes, justement, hein? Là, ça fait des petits bruits, là. Quick, quick, quick. Là, au moins, Cachou, il réagit plus. Là. Au début, il arrêtait pas de se lever la tête, là, toutes les fois que je faisais ça avec la baguette. On dirait qu'il a compris, là. Maman niaise à côté, là. Il s'occupe plus de moi, là. Il me tournait le dos, il est couché, puis il dort. Moi qui adore gratter des gratteux, sérieux, je tripe là-dessus. Là. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Des grandes zones comme ça à gratter, là. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, puis moi, des gratteux, là, c'est ça. Faut pas que je m'en achète trop souvent parce que c'est ça. Quand je pogne une rage puis que j'ai le goût de gratter des gratteux, je m'en vais au dépanneur puis je m'en achète pas mal. Puis avant, c'est ça, j'ai travaillé longtemps dans un dépanneur et station-service, là, sur le bord de l'autoroute. Donc, j'ai connu plein de gens aussi. sérieux, fallait pas, hein, que je sois près d'un présentoir à gratteux. Malheureusement, j'en avais un en face, donc souvent j'en grattais. J'ai jamais gagné de gros, gros lots, là. Mais tu sais, c'est ça, là. J'aimais ça gratter pour le plaisir, comme ça, là. Surtout, là, à une époque, j'ai travaillé de nuit, donc. Et regardez-moi la belle cochonnerie que ça fait, ça. Je vais plus la tasser de sur le noir que vous la voyez mieux. Oh là là, donc un beau petit coup de balayeuse avant qu'il y en ait partout. Et puis le résultat, c'est vraiment très 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 joli. J'aime ça au bout. Là, le fond est comme jaune. Si je voudrais, là, je préfère des motifs ou des choses comme ça, mais moi je vais le laisser comme ça. Donc, une belle carte de scratch painting de fait. Je suis vraiment très contente. Je veux dire un gros merci, Joanne. Je vais vraiment avoir du plaisir à faire les 9 autres. Là, je viens d'échapper mon petit bâton de bois à terre. C'est pas grave, c'est pas celui que je me sers là, pour la carte. Là, je l'ai. C'est mon autre que j'avais dans mon petit kit. Puis je sais que j'ai d'autres outils, mais je les ai pas trouvés vite comme ça. Donc, je vais rechercher là, et puis je vais les trouver là, pour les autres cartes. Là. Quelque chose de plus petit, ça va aller mieux. Là, j'avais des grandes zones sur celle-là là, à gratter. Là. Donc, le petit bout plat a super bien été. Là. Je suis vraiment très contente du résultat. C'est tout mignon. Sur ce, écoutez, bien, je vous dis à demain tout le monde. Moi, je m'en vais sur de ce pas là, avancer un petit peu mon Diamond Painting. Bye bye!